Salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed 4. Flag flag. Et donc on est à l'épisode numéro 25 et il y avait Adé qui venait de nous dire oui en gros ouais mais t'es pas sympa, va voir les assassins avant de que je revienne, bref voilà. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé à Touloum, si je me rappelle bien le nom de la ville, c'est Touloum il me semble. Et comme j'ai eu toutes les stèles Mayog, je viens de finir aussi au passage. Alors on va vite fait comment j'ai mis Touloum, c'est parce que j'ai une bonne mémoire. Voilà, j'ai fini Long Bay. D'ailleurs, c'est LG. Ah oui, pour Long, peut-être. Donc voilà. J'ai tout fini et j'allais chercher ma récompense des stèles. Toutes les stèles que je me suis amusé à choper. Donc voilà. Acquise en réussissant les énigmes, selon la légende, cette tenue a été créée à partir de matériaux de première civilisation. Elle est capable de dévier les projectiles en métal. C'est cool. Donc voilà. Voilà. Ah oui, quand même. Putain, je style en fait. Génial. Donc on va garder celle-là, je pense, jusqu'à la fin du jeu, vu qu'on a l'air de s'en approcher. Et let's go. Alors j'ai fait tous les trésors enfouis sauf qu'il m'en manque un, donc faudra que je revoie, je sais pas du tout où il peut être, faut que j'aille voir dans les bars, etc. Mais en attendant, c'est pas ça le sujet, on va continuer. Tout est permis. Seigneur Adé, que s'est-il passé ici? C'est ton œuvre, Edward. Ce que tu as déclenché il y a 6 ans n'est pas encore fini. Je ne suis pas un ami très convenable. C'est pour ça que t'es ici. Se battre aux côtés d'un homme aussi assoiffé de richesse et de gloire est une tâche ingrate, Edward. Et j'ai fini par comprendre que les assassins et leur credo offraient un chemin plus honorable. Ai-je été injuste? Non. Pendant des années, j'ai parcouru les mers en prenant ce qui me plaisait, sans jamais me soucier du mal que je faisais. Et regarde aujourd'hui. Je suis riche, j'ai une renommée. Mais j'ai rien appris depuis que je suis parti. Et quand je me retourne pour regarder le chemin parcouru, je ne vois plus aucun de ceux que j'ai aimés à mes côtés. Tu dois tirer un trait sur le passé, Capitaine Kanoué. Marie, avant de mourir, elle m'a demandé de lui faire honneur, de réparer le mal que j'ai fait. Tu peux m'aider? Marie t'aimait beaucoup, Edward. Ce qu'elle a vu en toi lui a donné l'espoir que tu pourrais un jour nous rejoindre. Oui, elle me l'a dit. Et que penses-tu de notre credo? Je ne suis sûr de rien. Car si rien n'est vrai, comment croire en quoi que ce soit? Et si tout est permis, pourquoi ne pas obéir à ses désirs? Oui, pourquoi? Peut-être cette idée n'est-elle que le début de la sagesse, et non son aboutissement. Je vois que l'homme que j'ai rencontré il y a bien longtemps a parcouru un long chemin. Alors, qu'en penses-tu? Ça demande un peu de pratique. Deux attaques en un mois, j'aurais dû déplacer ce village depuis longtemps. Je suis le seul et unique responsable, mais je me battrai à tes côtés maintenant. Il faudra plus que quelques faits d'armes pour devenir un assassin, Edward. Une chose à la fois, mon ami. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, il a mis une... comment on dit? Une capuche,
alors qu'il en a pas sur cette machine là, c'était assez marrant. Les Dagagors sont collés au-dessus d'un ennemi, appuyez sur Y pour l'assassiner, au-dessus de lui, maintenez Y et remonté pour l'assassiner et le suspendre. Visez un ennemi et appuyez Y pour l'attirer à vous. Ok. Utilisez la Dagagor pour prendre les gardes. Utilisez la Dagagor pour attirer les gardes vers vous. Ok. Let's go. Let's go, let's go, let's go. J'y vais, ma gueule! Je suis ces mouvements. Merde. Hop. C'est mal barré. Je l'ai... Ok. Je suis désolé si tu meurs. C'est pour le bien de la mission à 100%. Merde, j'ai plus de dague à cordes. Ça, c'est un problème. Bon, j'espère qu'il y en aura d'autres. Donne-moi une dague à cordes. Bon, attends, pause. Ce qu'on va faire, c'est simple. Est-ce que je... ça serait un peu fort de faire de la fabrication là maintenant. J'ai... C'est la première fois que j'essaye. Enfin, que j'essaye. Voilà. Ça va être aussi. On va se cacher. Est-ce que là je peux les fabriquer? Oui, dis-moi, oui, dis-moi, oui, please. Hop. Je spam le bouton A. Ouais. T'es mort, ma gueule. Ok. Là, t'es mort, ma gueule. Vas-y, t'es dans ma gueule. Pourquoi il est devenu... Pourquoi t'es devenu jaune, toi? T'as un trait ou quoi? Heureux de te revoir, mon père. C'est bon, pote, ça va? Qui est pas content? T'es pas content, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Putain, je suis... Oh la vache! C'est les filles. Pause. Mon pote, merde, désolé. Bon, on va s'occuper du bouffon.
kiffé et tout. J'ai cru quoi et tout. C'est pas où je suis, hein. Ah, ça vous angoisse, hein. Oh putain, mais non, mais non, no. Salut les filles, ça va? Ok. On va continuer les amis. Tout est permis. Tu possèdes la force et l'esprit. Et une fois encore, nous te sommes reconnaissants. Tu es le bienvenu ici. Je te remercie. Je vais me reposer un moment avant de repartir, si tu le permets. Et son enfant. Anne est une femme forte, mais pas invincible. Edward. Je suis navré de ce qui t'est arrivé. Si j'étais resté en prison, il me l'aurait pris de toute façon. Mais il serait encore en vie. Dieu essaie peut-être de me faire comprendre que je suis pas prête à être mère. Quand on voit ma vie, je jure, je bois, je me bats. Tu t'es toujours battue, Anne. En prison, j'ai eu vent des aventures des redoutables Anne Bonny et Mary Reed affrontant la Royal Navy ensemble, seuls contre tous. C'est vrai. Et on aurait gagné ce jour-là si Jack et ses hommes ne s'étaient pas saoulés. Il ne reste plus personne maintenant. Marie, Rackham, Satch et tous les autres. C'était des brutes. Mais il me manque tant. Tu ressens pas comme un vide à l'intérieur? Si. Et il me ronge le cœur, sans cesse. Je sais parfaitement reconnaître mes cibles. Mais comment les trouver? Nous avons des yeux et des oreilles dans chaque ville. Va voir nos bureaux, les assassins qui les occupent t'aideront. Ça règle le cas de Torres et Rogers. Et Bartholomé Roberts sait qu'il doit éviter les villes. Le retrouver va me prendre des mois. Ou des années. Mais tu es un homme de talent et de ressources, Capitaine Kenway. Je pense que tu le trouveras. Sans égaré, tu pourras toujours faire appel à ton quartier maître. Quartier maître, quel est le cap que nous suivons? Plein Est, capitaine. C'est toujours à Kingston que nous allons. C'est bien ça, Miss Bonny. Donne tes ordres. Levez l'ancre et larguez les basses voiles, les gars. On file vers la Jamaïque. Alors, ça te plaît de hurler aussi fort? J'ai déjà hurlé plus fort, sur des hommes bien plus coriaces. Quand tu servais à la taverne de Nassau, c'est ça? Entre autres, oui. Et j'ai navigué quelque temps avec Marie et Rackham, tu te souviens? Bien sûr. Ah, voilà! Je sais qui c'est, putain! Je me suis demandé, merde, mais qui? Je la connais, mais je sais plus d'où. Voilà, en fait, c'est celle qui s'occupait de la... De la buvette. La buvette.
Bon, on va arriver ici. Voilà. On va se téléporter, hein, même si ça me faisait plaisir de de passer du temps sur le bateau avec cette charmante demoiselle. Oui, voilà, je disais que le scénar est vraiment magnifique et qu'en fait, dans celui-ci, en fait, c'est à la fin du l'épisode que tu deviens réellement un assassin. C'est ça que je trouve pas trop mal. Je trouve que chaque jeu Assassin's Creed a son scénario et qu'il n'empiète jamais sur l'autre. C'est ça que je trouve vraiment bien. Ok, alors toi t'es où? Oh, c'est génial sans doute. Donc j'espère que j'aurai... Oui, je pense que j'ai assez de balles et tout. Hop. Le mec il se met là en mode paysan quoi. Avec son établi et tout. Capitaine Kenway, t'as quelque chose pour moi? Nous savons où se trouve le Templier Woods Rogers. Il assiste à une petite réunion politique, alors sois discret. On dit que le roi George a décidé de le rappeler à Londres. Oui, il est mécontent de ses progrès à Nassau. Il y rôde encore beaucoup de pirates, d'après ce qu'on raconte. Tu vas devoir te déguiser pour te fondre dans cette réception guindée. Je te suggère de cibler le diplomate Ruggero Ferraro. On le surveille depuis longtemps. Entendu. Peux-tu envoyer ça en Angleterre pour moi? Oui, un navire part demain. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane. À Bristol. Il a encore mis sa capuche. Non, tu n'as pas de capuche. On va aller tuer un Italien. C'est triste, mais c'est la vie. Un diplomate. Ça va me rappeler une mission dans Constantinople. Ok, il est pas là. Il est là-bas. Tuer le diplomate depuis un tas de fois. Depuis un tas de fois. Non, je veux juste ici, d'accord. La beauté est totalement étrangère à cet endroit. Bon, c'est quoi, tu veux que tu montes sur toi? Aucun projet esthétique. Vous en arpentez les rues comme des animaux. Le bétail prend aucun sens du décorum. Et moi, c'est qu'ici, moi et pas. Crétins, vous n'êtes que des crétins. Et dire que ces Anglais se croient capables de mettre le monde entier à leurs pieds. Bon, tu hontes, tu dis bonjour à. Ouais, tu fais quoi? J'ai trouvé. J'espère qu'il va y rester. Plus d'une fois par mois. Mais ok, c'est révoltant. Hop, voilà. Il est. J'ai quoi, c'est vrai. Ouais, je crois pas. Salve. Pardonnez mon arrivée tardive. Je suis Ruggero Ferraro. Oui, monsieur Ferraro, soyez le bienvenu. Merci.
touche à mon bref mandat de gouverneur des Bahamas. Sous mon autorité, pas moins de 300 pirates ont choisi le pardon du roi et prêté allégeance à la couronne. Oh, j'ai cru que c'était moi. Depuis un moment. Si moi, il va pas mieux. Mais pas assez pour finir pendu. Alors écoutez cela. Bientôt toutes les bonnes choses seront dépassées. C'est un banc, hein, c'est pas un banquet. Hein. On est d'accord, oui, c'est un banc. Comprendre qu'ils sont les architectes de leur chute. Oh, Seigneur Rogers, quelle audace! Je ne vois pas de banc. Pas pour l'instant du moins. Ma foi, voilà un habit superbe. Mais il doit manquer de confort par cette chaleur. Si, signore. Mais pour les hommes de goût tels que nous, la forme doit toujours primer sur la... Je ne compte pas m'en soucier. Cela fait 5 années que nous sommes séparés et nos vies n'en sont que meilleures. Pardonnez ma curiosité, là il y a pas de banc, pas de banc, pas de banc. Oh putain. Le banc, je suis sûr qu'il était à l'intérieur et que je l'ai pas vu. Et voilà où il est le banc. Et je l'ai pas vu. On va être obligé de se retaper un... Le bruit court, Rogers, que vous êtes en excellent terme avec l'espagnol Laureano Torres. Est-ce vrai? Si ça veut dire ça. Et j'en suis fier. Torres a lui aussi été gouverneur. Et tout comme moi, il a veillé à la bonne marche de la justice. C'était un autre bois. Pas ici en tout cas. Là par là, y'a pas un bon. T'es le mec, je suis pas du tout pressé quoi. Bon, on va attendre les amis, un pivot là, c'est tout. Je sais que je suis chiant, mais bon. C'est la vie. Oh, il faut pas s'amuser à reparler à chaque fois. Eh viens, viens, on est bien. J'ai mis ces brutes de Nassau à genoux, bon Dieu, et voilà comment on me remercie. Quelle infamie. T'inquiète pas, tu vas voir ce que c'est l'infamie. Vous l'avez fait, Rogers. Et s'il vous faut un témoin en Angleterre, je serai ravi de rédiger une lettre de soutien. Voici le gameplay le plus passionnant du monde. Assis sur un banc, je vous fais poireauter pendant 5 minutes. Eh bien, viens, viens, viens. Voilà. Encore un peu. C'est bon les amis, on arrive à la fin. Enfin, à la fin de l'attente, quoi. Toi-même et tes corsaires. Comment peux-tu avoir si peu de respect pour ceux qui ne cessent de lutter afin de se faire une place dans ce monde? Tu ne pourras jamais comprendre ce qui me motive, crétin! Tu as passé toute ta misérable vie à démolir les fondements les plus précieux de notre civilisation! C'est tout le contraire. J'ai vu l'observatoire. Et je connais son pouvoir. Je sais que tu t'en servirais pour espionner
pervertir et saboter. Oui. Mais pour servir la cause la plus noble. Assurer la justice. Et faire éclater la vérité coûte que coûte. Aucun homme sur Terre ne mérite un tel pouvoir. Mais tu laisses sort la loi de Roberts l'utiliser. Non. Je vais lui reprendre. Et si tu me dis où je peux le trouver, je l'arrêterai, crois-moi. Ici, au bout d'une lame, je trouve enfin en toi un ami. A principe, vermine de pirates. Nos meilleures sources l'ont trouvé à principe. Voilà. Hop. Tranquille. Tranquille. C'est la vie. Du moins que je retrouve mon armure en fer. Parce que celle-ci... Elle pue un peu... Enfin, c'est pas une armure, mais... Elle pue quand même un peu du cul, quoi. Terminé. Et maintenant ? Va préparer tes affaires, on met le cap vers l'Afrique. Impec. Encore une super mission. Donc les amis, on se laisse ici. Moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 26, si je ne dis pas de bêtises, qui doit se situer proche de la fin quand même, je pense, même si on est à la mémoire 1, je pense que c'est la dernière mémoire, je sais pas trop. Voilà, voilà, voilà. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye!